Bonsoir tout le monde. Amen. Soyez la bienvenue ce soir dans le nom de Jésus-Christ pour notre réunion de l'enseignement. Et je vous donne un petit moment encore pour les autres qui sont connectés parce que nous faisons live. Et coucou à tout le monde qui est à la maison. Et tout le monde nouveau, nouvelle qui peut connecter avec nous. Et tous ceux qui prennent la décision pour rejoindre nous. Et aussi quand l'église pour reprendre. Que Dieu bénisse eux. Nous bénissons eux dans la prière. Parce que il est important qu'il nous capable et à une place que nous trouve la gloire et la mémoire dans notre vie. Amen. Et aujourd'hui, et soyez la bienvenue, nous puis attendre les autres qui sont connectés avec vous. Coucou à tout le monde. Coucou à tout le monde et les membres de l'église de Seal Church. Et aussi à chaque quelqu'un qui écoute nous spécialement à la maison. Et on va commencer en prière. Aujourd'hui, nous sommes sur notre réunion de l'enseignement. Et de vous passer un moment dans l'enseignement de la parole de Dieu. Et aussi me demande, s'il vous plaît, et si vous êtes capable de prendre la Bible, et aussi gagne un papier et qu'un plume. Vous donnez un petit temps, et jusqu'à les autres pays connectés avec nous. Et allez vite, vite, et galpez, vite, vite, prends un bout de papier et qu'un plume. Ça pourrait être beaucoup. Je prends ma petite référence, et des fois, et de capable et faire vite le moment de certains sujets, mais je prends ma petite note, là, pendant et la journée ou quelque part pendant quand je suis libre, je suis capable de faire ma référence biblique. Amen. Regardez qui fait, il est important de vous dire, s'il vous plaît, il est important de savoir ce qu'il nous peut dire et ce qu'il trouve dans la parole de Dieu. Amen. Dans ce dernier temps, il est important qu'il nous fait beaucoup attention à ma fausse doctrine et à ma fausse enseignement qu'il peut donner. Amen. Mais gloire soit donnée à notre Seigneur Jésus-Christ. Que tout ce qu'il nous fait, tout mon serviteur de Dieu, de cette church, nous fait des efforts et nous donne tout ce qu'il nous capable pour nous retirer toutes les choses dans la parole et aussi pour ouvrir les yeux de chacun d'entre nous. Amen. Bonsoir, coucou ceux qui font une vingtaine. Soyez la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. On va commencer en prière ce soir. Amen. Et si vous êtes en famille aujourd'hui, vous êtes capable et prenez des mains ensemble. Mais avant qu'il m'aille de l'avant, j'ai envie d'attirer votre attention sur un petit sujet de sagesse. Amen. Moi, nous avons remarqué que quand on ôte le confinement, c'est le devoir de le dire. Et pourquoi? Parce que la parole de Dieu, le livre de Proverbes, il dit comme cela, un quelqu'un qui passage, il y allait, il trouve le danger, il n'est pas resté cassé, il est tombé. Mais un sage, il trouve le danger. Et il évite lui et il dans la bénédiction. Amen. C'est cela qui se trouve dans le livre de Proverbes. Mais mon fin senti dans mon équipe là pour mon capable porter ça avec vous. S'il vous plaît, continuellement, pas faire de négligence par rapport à ce virus là à notre pays. Parce que pourquoi? Oui, Dieu protège nous, mais aussi il est important de pas faire de négligence, de sortir quand papa bien sorti, d'attroupement, tout ça, là, prendre les précautions nécessaires. Ceux qui surtout qui nous reprennent le travail, m'encourage de prendre les précautions nécessaire parce que Dieu c'est un Dieu de sagesse. Ok, quand nous prenons nos précautions, Dieu protège nous parce que Dieu c'est un Dieu qui lit content la justice et la sainteté. Amen. C'est un court rappel à tout le monde qui est à la maison. Amen. Et on va passer directement et à la prière et on va prier. Trappe nous des mains des uns et des autres, ceux qui seuls à la maison, pose la main de te l'équerre et on va prier. Qu'est-ce qu'on va dire? On va demander la personne du Saint-Esprit dans notre vie pour comprendre ce parole. Et aujourd'hui, on va prier ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, ce soir, je viens devant toi, Seigneur. Me joigne-moi, Seigneur Dieu, à mon mal frère, mon mal sœur, Seigneur Dieu. De tout cœur, de tes paroles que tu viens dire quand deux ou trois les rassemblés, te late au milieu de nous. Et aujourd'hui, accueille-toi. Seigneur, me prie toi pour tes paroles qui est prêchée dans toute la liberté, Papa. Me couvert chacun d'entre autres, Seigneur Dieu. Merci pour la grâce que tu nous donnes. Pour nous capables, Seigneur Dieu, Papa, vigne de ta présence ce soir. Pour nous passer un moment avec toi, Seigneur Dieu. C'est le moment qui toi, tu nous fin choisir, Seigneur Dieu. Et me prier toi, Papa, pour cela. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous, tu à la maison, mon vie, ton Dieu, tiens grand. Amen. 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 Ok, voilà ce qui fait connecter avec nous. Soyez la bienvenue. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur qui fit mot pour nous sur le bois de la croix et qui sans ni personne particulière. Et aujourd'hui, c'est à travers le sous-narbo. Et aujourd'hui, la Bible claire, il est le seul chemin qui amène vers le ciel. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ seulement. Amen. Nouvelle de la Bible d'un livre de Jacques. Bon, pour titrer le message un petit moment. Et mon courage, une plume et qu'un papier. Le livre de Jacques, chapitre 5, le verset 7 à 11. Amen.
Le livre de Jacques, chapitre 5, le verset 7 à 11. Amen. Gloire à Dieu. Coucou spécial à tous les membres de l'église de City Church. Soyez bénis, vous connaissez au rang de vous. Dieu bénisse vous, restez dans le calme et applique le sang de Jésus-Christ. Et tous les jours, comme Finette enseigné, le psaume 91 doit être fait partie de vos prières. Et il nous connaît très bientôt. Et l'ange de l'amour pour passer, qui nous appelle, il n'a pas, nous tous nous connaît. Amen. Et nous connaît que là, nous vous retrouvons la paix. Très bientôt, avec la foi, nous vous retrouvons, nous. Amen. À l'église. Amen. Ok. Et Dieu bénisse. Bon, faire la lecture d'un livre de Jacques, chapitre 5, le verset 7 à 11. Amen. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs quand l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas des uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle, le verset clé, le verset 10 et 11. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui souffrent patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Nous vous titrerons le message intimement, mais on va rendre grâce à Dieu pour la parole et pour le Saint et le Saint-Esprit qui est au milieu de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, me louer toi. Me briller, Seigneur, de ce soir, me mettre cette réunion de l'ancien monde devant toi. Me brille, Seigneur, dans le monde spirituel, tout mon obstacle, mon empêchement. Me cache tout mon barrière, me brise tout mon plan. Me prier toi pour le moment qu'il nous faut passer dans ta présence, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, personne pas de fin vine pour t'en un homme, mais de fin vine pour t'en ta parole. Que ta parole soit le centre de cette réunion de l'enseignement, papa. Et on vous dit que de l'onction qui couvert notre vie. I welcome you, Holy Spirit of God. Et me dis à toi, merci, Saint-Esprit. Tout ce qui nous vous fait lire avec te directive, Seigneur. Lord, me bénis ceux qui pétendent ta parole, me lier toute ma puissance de l'adversaire, mon esprit voyageur, mon esprit, Seigneur Dieu, qui crée ma distraction, la haine, ma doute, moi tâche à mon esprit là, et me libère, Seigneur Dieu, papa, et ruach nobib, et willing spirit, dans la vie de chacun d'entre eux, vous êtes à prendre les principes de la parole de Dieu. Merci, Seigneur Dieu. Et nous tenons à dire, Amen. Aujourd'hui, nous pourrons aujourd'hui dans une base. Et pendant la semaine, finalement, détroit-il l'événement que le Seigneur fait éveiller vos pensées par rapport que beaucoup de mon chrétiens nous payent dans une base spirituelle. Okay? Et c'est une de mon raison, de mon réunion de l'enseignement, mon saint, mon petite chose, et le jeûne et la prière, et comment et le dernier temps pour venir. Ce sont des bases qui nous mettaient pour que chacun d'entre nous nous capable comprendre. Important de comprendre les bases. Parce que sans une base, personne ne peut pas. Qui s'en a des enfants dans la case sans mettre une base? La base, c'est la première chose qui nous fait bien faire. Amen. Et aujourd'hui, nous pouvons mettre ma base. Et quelque part, c'est une base pour notre vie à la fin et sur cette terre. Et aussi, c'est une façon que ça, nous prions que cet enseignement capable d'exode beaucoup, beaucoup, beaucoup à la fin et qu'ils soient capables de comprendre. Et le titre du message aujourd'hui, c'est comprendre les sources des épreuves, ok? Et en anglais, moi, appelle-le Understanding Your Fiery Trial. Fiery, c'est F-I-E-R-Y. Amen. Nous pouvons comprendre les sources de ma épreuve, ok? Et vous faire l'objectif de ce message. L'objectif, c'est quoi? Qui nous parle comprendre et à la fin, qui nous supposait être capable de comprendre et quand le message peut terminer, ok? C'est quoi une épreuve, ok? Et nous vous passons là pendant la prédication, pendant l'enseignement de la parole aujourd'hui. C'est quoi une épreuve? Les sources de ma épreuve et différentes qualités de ma épreuve qui existaient, ok? Qui fait à nous bizarre passe dans ma épreuve, ok? Est-ce que Dieu lui porte derrière tout ma épreuve? Est-ce que, et pourquoi nous passe dans ma épreuve? Pourquoi ma kiken sac d'immune? L'épreuve pas pareil, ok? Et à la fin, nous pouvons comprendre pourquoi nous manne l'épreuve, nous gagne l'épreuve qui entoure nous aujourd'hui. Amen. Bon, pour redire, parce que, si moi dans l'église, bon, vous trouvez autres qui se fait capable de suivre, mais pour redire, dit, parce que beaucoup parmi eux, vous pensez, je ne suis pas capable de prendre des notes, bon, pour redire, dit, tout doucement, à la fin, l'objectif de ce message premier, nous parle, c'est quoi l'épreuve, nous parle comprendre c'est quoi l'épreuve.
Deuxième, les sources des épreuves et les différentes qualités de l'épreuve. Deuxième, les sources de l'épreuve et les différentes qualités de l'épreuve. Troisième, pourquoi nous passe dans l'épreuve, nous passe dans une difficulté. Quatrième, est-ce que Dieu est derrière tout man l'épreuve? Cinquième, pourquoi nous bisait passe dans l'épreuve? Sixième, qui fait chaque dimoun sur l'épreuve différent? Bon, l'épreuve différent, un autre dimoun sur l'épreuve différent. Qui fait chaque dimoun sur l'épreuve différent? Et à la fin, nous pourrons comprendre pourquoi il y a l'épreuve qui entoure nous. Amen. Ce qui me fait dire, ce qui fait connecter avec nous, c'est qu'aujourd'hui, le titre du message, c'est comprendre les sources des épreuves. Et tout ce qui me fait dire, le 5 à 6 points, c'est même quelque chose qui nous passe l'eau là pendant le message et qui nous capable de comprendre. Amen. À cause de cela, qui m'a envie que quelque part, tout en prenant une plume, ça peut être beaucoup. Et surtout, à la fin, me prier que ce message, me pour dire même certains points, qui sont capables vraiment prendre note, qui ça pour être sûr. Amen. Bon, retourne maintenant à notre base. Et notre base, il y a pourtant qui entend nous chrétiens, beaucoup de fois, je vais trouver que tout le monde vendredi nous fait aider, tout le monde a fait élémentaire pour nous placer, pour nous capables aider les chrétiens, pour nous être capables de bâtir, même les qui sont chrétiens de l'église, même les nouveaux, les nouvelles, tout ce qui peut tendre, nous pour aider, pour être capables de comprendre la chrétienté et sa base. Amen. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit, et touche d'un livre, le livre de Marc, chapitre 7, verset 13. Marc 7, 13. Jésus-Christ dit à un pharisien, « Je annule ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. » Et Jésus-Christ, tout le temps, tient un petit fouet avec un pharisien, avec un sadducéen. Nous déjà un enseignement sur les différents sectes qui existaient à l'époque, vous êtes capables de connecter pour capable de guetter. Et même, et entre-temps, vous passe à travers les autres, l'équipe technique pour derrière, nous vous faire bientôt le Seal Church Channel et connecter avec le Seal Church Channel pour ça capable et d'autres pour gagner tout mon message qui prêchait tout l'enseignement qui est là. Nous pouvons monter ça pour l'instant, nous pouvons faire lire et nous pouvons travailler là, ok, pour nous capable de faire lire. Une plateforme que nous sommes capables de gagner tout message de Seal Church Channel et nous capables de regrouper tout l'enseignement qu'il fait pendant des années, tout mon message qu'il fait. Très bientôt, c'est une bonne nouvelle et je remercie toute l'équipe qui est avec nous, qui peut faire tous les efforts possibles pour nous capables de permettre, pour capables de regrouper tout mon chrétien et aussi partager la bonne nouvelle. Je fais un coucou à tous ceux qui veulent travailler, qui Dieu bénisse. Amen. Maintenant, je t'en mets aujourd'hui, explique-toi, c'est que et non, des fois, la tradition, man quelque chose qui passait. Beaucoup de fois, man ancêtre fin dire man quelque chose. Et beaucoup de fois, ça fin tout le temps intrigue, moi. Mon vie partage une affaire avec eux. Tout le temps, quand on amène man l'étude de la parole de Dieu, nous renverse man tradition. Amen. Nous renverse man faux enseignement qui nous capable d'être libre pour nous capable comprendre les nouveaux enseignements. Et aujourd'hui, par rapport aux épreuves, qui fait repéter ça? Les bons qui sont capables de comprendre, les bons qui sont capables de prendre une réponse et passer le tableau de cette pensée. Beaucoup de fois, nous mal interprétons beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, si Dieu le Saint-Esprit pour permettre nous qu'il nous capable expliquer, vous êtes gagné une nouvelle base. Et ça, à la fin, il faut aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pendant la semaine, nous sommes capables de plusieurs personnes. Maintenant, il me dit, frère, les épreuves de la vie sont difficiles. Frère, mauvais passe dans ma circonstance difficile. Mais à la fin, c'est la bonne nouvelle aujourd'hui. Tu sais, quelqu'un à côté de toi à la maison dire, et il y a une bonne nouvelle aujourd'hui pour chaque personne qui fait passe dans ma circonstance qui est difficile. Amen. Et aujourd'hui, nous pouvons guetter aujourd'hui que la tradition les crée beaucoup de problèmes à cause de cela qui nous prend le temps pour enseigner, des heures pour enseigner et qui cela est capable efface et apaise. Et mon content inversé que Jésus-Christ fin dire. Il dit tout homme que son Père, Dieu le Père, fin planté pour être déraciné. Amen. Et qui aujourd'hui nous capable d'instituer aujourd'hui les bons et bases par rapport à cela. Amen. Nous pousser l'un de l'avant. Maintenant, je veux bien comprendre ceux qui ne connaissent pas les bons qui m'ont dit que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et le Nouveau Testament est finalement écrit en grec. Amen. Une partie de l'Ancien Testament hébreu et puis une partie en araméen. C'est parti de quelque part le livre de Daniel, prend le chapitre 6, Monté, Binska, Malachi. Il finit écrire une partie de cela. Amen. On voit qu'on est qui fait, mais Moulalang, il m'a rien coupé. Gloire à Dieu. Ok. On continue. Et le Nouveau Testament, a été écrit en grec.
Et nous, quand nous guettons le mot grec, c'est un mot qui est tellement ouvert, mais quand on comprend ce mot-là, il ouvre nos pensées pour comprendre l'origine d'écrire. Et mon père envie de vous prendre deux, trois versets, et ça m'a versé là, prends note, parce que pourquoi? Ça m'a versé là, il peut expliquer, maintenant, nous peut expliquer, et nous pourrons rentrer là-dedans, c'est quoi ma épreuve. Amen. C'est quoi ma épreuve? Le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 2. Le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 2, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves, amen, soulignez épreuves, auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. L'épreuve dans ce mot-là, en grec, finit écrire pirasmos, qui veut dire pirasmos, P-I-R-A-S-M-O-S, pirasmos, ok, qui veut dire une expérience, une circonstance. Ok, d'un trial qui veut dire en l'épreuve, veut dire aussi, ok, passe par le feu pour guetter l'homme, l'homme sur l'intégrité, sur fidélité et sur la boche, si pas dit correct. Qui fait, on peut expliquer ça, à la fin, je vous trouvez, nous vous prend plusieurs. Écoute-moi bien, vous demandez de l'attention, évite de ma distraction à la maison. Si on a mes enfants, coucher mes enfants avec eux, évite ma son, ma tapasse, parce que pourquoi chaque partie, il m'a dit, la scène, il faut connecter. Si je te rate une partie, il faut venir un problème, je ne peux plus comprendre devant. Je fais un appel à tout le monde, s'il vous plaît, dans l'amour de Dieu. Amen. Maintenant, qui ça veut dire, Pérasmus, l'épreuve dans sa verset là, veut dire l'expérience, et l'épreuve veut dire passe par le feu, veut dire pour check l'intégrité d'un homme. Amen. Le livre de 1 Pierre, chapitre 4, verset 12. Dis c'est créé, libre pour lire, je ne suis capable de faire référence biblique après. Le livre de 1 Pierre, chapitre 4, le verset 12. Il dit, bien-aimé, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ok? Nous, là, maintenant, il parle au milieu pour nous éprouver. Le mot grec, c'est purosis. Ok? P-U-R-O-S-I-S. Purosis. Ok? Qui ça veut dire, ce mot-là? Ce mot-là veut dire endiffé, ebony. Ça veut dire que, veut dire un diffait qui m'a un métal passé. Pas oublier que l'Ancien Testament, quand là, Dieu prend nous comme si l'eau, l'eau bizarre passe par le feu. Pourquoi l'eau bizarre passe par le feu? Garde ça zimaza dans notre tête. L'eau, comme tiali dans la terre, y est dans man rose, ensemble avec lui, dans la terre. Ok? Comme au risli par là, n'est pas pareil, n'est presque, tellement bien, n'est presque pareil comme l'en rose. Mais c'est moi, faut dire qu'on distingue ce couleur, et quelque part, il y a un petit couleur doré. Mais comment me sépare l'eau de sa latère là? Maintenant, prends ça l'eau là, mets-le dans du fait. L'eau, il fond, et quand l'eau là fond, me récupère l'eau là, me gagne un eau tout brillant. C'est exactement ça mot là qui veut dire purosis, ok? Et exactement veut dire, le mot purosis veut redire, quand là, un diffait, qui passait, elle me passe dans un diffait. Amen. Elle a un dialogue mauricien qui m'a appris à dire, elle me passe dans un mauvais diffait. Ok? C'est presque pareil. Me passe dans un diffait. Mais seulement sa diffait là, lui donne plus allusion. Lui donne plus une portée pour un ferblantier qui peut prendre un métal, peut mettre dans diffait et qui peut fondre sa métal là. C'est plutôt ça. Le mot épreuve. Ok? Maintenant, tenez-moi bien, il est extrêmement important. Le mot épreuve en hébreu veut dire, ok, baukan, B-A-W-K-H-A-N, baukan, ok. Le mot hébreu de épreuve, baukan, veut dire pour examiner, pour essayer ou pour passer dans un diffait. Tenez-moi bien de continuer. C'est un qui nous extrêmement, pour moi personnellement, quand on base la main de recherche qui m'a fait mon compte en base lit sur mon mot hébreu parce que ça lit ouvert. La portée de comprendre la profondeur de mon mot. Amen. Amen. Et maintenant, le mot baukan, maintenant, il est important, veut dire to scrutinize. Ça veut dire pour prendre un mot, prendre l'exemple, scrutinize, c'est me prendre un objet. Fait que moi, je dis ça un verre, me prendre un lit, me virer dans gauche, dans droite, tout ça là. Écoute-moi bien. Tout ce qui nous peut enseigner mon mot là. À la fin, je vous trouvais comment cela limite vivant dans notre vie de tous les jours. Il veut dire tu scrutinas. Scrutinas veut dire vous prendre des affaires, vous étudier. Quel problème là était ce qui est correct, n'est pas correct. Ça veut dire scrutinas. Qu'est-ce que le mot encore baukan, épreuve, veut dire encore? Veut dire que quelque part, il scrutinas. C'est-à-dire qu'il peut redire, bon Dieu, passe nous l'équerre. Il veut tout dire l'équerre.
Il passe nous l'équerre pour étudier notre cœur. Chombo, l'amen. Ok? Le livre de Deutéronome, chapitre 8, le verset 2. M'aurait dire, le livre de Deutéronome, chapitre 8, le verset 2. Moïse dit au peuple d'Israël que Dieu finit par jeter 40 ans dans le désert pour guetter dans cette l'équerre qui est là. Je vais comprendre le portée maintenant de Baoukan, l'épreuve. Maintenant, là, qui nous peut faire? Nous peut guetter maintenant, nous finissons comprendre le mot épreuve, c'est quoi? À la fin, je vais trouver comment cela lui bénéfique. Le mot épreuve veut dire, l'ikoumadir, un homme, un fer blanchier et blacksmith, il prend un métal, il met lui dans du fer, il sépare, tenez-moi bien, il sépare l'eau avec sa rose là. Et le mot baoukan veut dire que Dieu lui examine une petite chose pour éprouver lui. Ça veut dire une épreuve. C'est qui à la maison peut prendre une. C'est ça le mot d'une épreuve. Maintenant, une fille comprend aujourd'hui, la première question là-bas, l'objectif de cette soirée. C'est quoi une épreuve? Épreuve veut dire passeport différé pour nous venir une petite chose plus meilleure. Ok? L'eau passeport différé pour venir une petite chose plus meilleure. Et aussi veut dire le mot grec, le mot hébreu, baoukan, veut dire que Dieu prend pour scrutiniser nous. Ok? Guette nous en bas là-haut. Pourquoi? Pour éprouver nous, pour guetter dans nous l'équerre qui est là, selon le livre de Deutéronome 8, verset 2. Je suis capable de prendre référence là-bas. Amen. Je suis la même ce soir. J'espère mon père pas trop vite. Je suis décidé pour cette semaine pour payer bien tigre de l'accélérateur. Amen. Coucou à tout le monde. J'espère que je suis capable de suivre moi. Côte moi bien. Amen. Maintenant, nous pourrons rentrer un petit peu plus profond dans le message. Amen. Maintenant, avant qu'il nous comprenne l'épreuve, beaucoup d'immunes croient que quelque part, comprends-moi bien, nous pouvons qu'on mette la balance en conséquence avec l'épreuve. Amen. Moi, pour maintenant, nous finissons comprendre l'épreuve, c'est quoi? Moi, prendre un exemple pour être capable de comprendre, nous vous prendre ma référence, nous vous pouvons expliquer ça. Il y a une affaire qui nous appelle l'épreuve de notre vie. Amen. Et il y a une autre chose qui appelle les conséquences. Moi, pas vous rendre trop profond là-dedans, mais c'est moi vous brosse un tableau pour être capable de faire une différence. Moi, prendre un exemple, beaucoup de monde dit comme cela, et je ne peux pas faire la différence en conséquence avec l'épreuve. Je vais prendre un exemple pour être capable de comprendre. Fait comme on dit, on a de bazar, un coquin dit au monde. Quand un coquin ça dit au monde là, un dimon venit, tout dimon commence autour, prend un sabbat, commence à taper le roulaté parce qu'un coquin dit au monde. Ça, l'épreuve veut dire une épreuve. Ça, c'est une conséquence. Tout le temps, je veux bien comprendre la différence entre conséquence et l'épreuve. La conséquence, c'est quand vous faites une mauvaise petite chose et un prix à payer. Et je veux bien comprendre, c'est que je veux bien comprendre, dans la parole de Dieu, il dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme a semé, il faut bien récolter. Amen. Bon, pas pour rentrer trop en détail là-dessus, mais il est bon qu'il soit clair si ça, vous êtes capable de comprendre. Un autre exemple encore, je veux bien comprendre, c'est que quand vous faites désobéissance à la parole de Dieu, c'est pas une épreuve, c'est une conséquence. C'est une conséquence qui, quelque part, nous vise à payer. OK? C'est une conséquence qui, quelque part, nous vise à passer là-dedans. Parce que c'est l'action de ce qu'il m'a fait faire. C'est que, m'a dit, quelque part, c'est le fruit de ce qu'il m'a fait faire. Je vais prendre un exemple clair et je ne vais pas rester longtemps sur cela, mais c'est moi bon qui m'explique de ça. Si moi, j'ai un prisonnier, il fait un crime. OK? Il commet un crime. Ce prisonnier, il commet un crime. Vous connaissez ce qui est arrivé? Li pour quelque part la loi, li pour bien payer la conséquence de ce acte. Mais seulement s'il lui demande Dieu pardon, Dieu pour pardonner. Amen. Mais seulement il y a une petite chose qui nous bien comprend maintenant. La conséquence il a, mais seulement nous pas poignant, l'homme pas poignant, un upper hand, lui pas poignant, un contrôle, l'eau sa conséquence, ça c'est bon Dieu qui. Maintenant mon vie explique une petite chose. Deux choses qui sont importantes, ceux qui peuvent prendre, Dieu est souverain. C'est quoi souverain? Je veux bien comprendre que Dieu est souverain, peine un ennier qui échappe à ce contrôle. C'est ça la souveraineté. Quand Dieu est assis sur ce trône, l'IPK contrôle tout qui chose un seul coup. Beaucoup de monde dit, frère, bon Dieu, trop fatigué pour t'en mot la prière parce que les autres chrétiens pétendent. C'est faux. Dieu est esprit. Dieu est omnipotent, omniprésent et omniscient. Omnipotent, c'est lui, et dans tous les potentiels. Omniscient, il y a toutes les connaissances. Et lui, omniprésent, pardon, c'est qui? Il est présent à la fois partout. Ce souveraineté permet la souveraineté de notre Dieu, le Dieu éternel. Il contrôle tout qui se peine en ennier qui échappe
à son contrôle. Tout ce qui est capable d'arriver vient d'un contrôle absolu. Amen. La deuxième chose qu'il est important de comprendre, c'est que Dieu, il y a un Dieu qui l'est restauré. Dans le livre de Joël, chapitre 2, versets 25 à 32, Joël, chapitre 2, le verset 25 à 32, Dieu parle qui me pour restaurer tout ce qui m'a sauté le fil dévoré. Je besoin de comprendre c'est quoi la restauration. Qui fait un explique ça? Pour moi, quelqu'un qui fautait dans la vie, nous pouvons bien expliquer ça. Et comment je besoin d'approcher vers Dieu et demander Dieu pardon pour effacer toutes les conséquences, mais seulement les conséquences du péché, ni quelque part, et dans deux fois, nous pouvons bien, pas beaucoup capable à sortir de là, paraît comme un prisonnier, et comme un quelqu'un tué un démon, il besoin payer la conséquence. Mais seulement s'il y approche vers Dieu, maintenant s'il y approche vers Dieu, Dieu peut pardonner de ce péché, mais seulement la conséquence qui peut arriver, la souveraineté de Dieu, la restauration de Dieu, c'est ça qui peut dépendre pour capable de remettre le sol du pied. Je vais prendre un exemple court et simple pour être capable de comprendre. C'est quoi la restauration? La restauration veut dire que Dieu, c'est bon Dieu capable de restaurer. Dieu seulement capable de rentrer dans le passé et reconstruire toute chose. Je vais prendre un exemple de tout nous comme un évangéliste qui quelque part, je suis un quelqu'un qui est un criminel, un gang, un quelqu'un, Dieu qui le fait dans notre vie, Dieu qui retourne dans notre passé, qui le reconstruire. Mais seulement, je ne suis pas pour à l'abri de cette conséquence, je ne suis pas capable de tuer mon dimon vient d'être tué, mon frère, d'être tué, mon sœur, mais ça m'a dit, mon là, Dieu qui le restaure, il rentre dans notre passé, redresse notre vie, et fait ce qu'il m'a évangéliste, mon pasteur, mon prophète, ou n'importe qui affaire, quand il est arrivé, Dieu qui le restaure toute chose. Mais quand il s'agit de restaurer la vie d'un quelqu'un qui fautait par rapport à ses conséquences, ça ne dépend de personne. C'est seulement Dieu. Dieu qui décidait de sa souveraineté et dans ce, et dans sa restauration qu'il y a envie de faire par rapport à ça. Moi, je vais vous donner un quelqu'un qui me dit un témoignage d'un quelqu'un. Et ça, c'est faire, lui faire moi penser beaucoup des choses que comment Dieu est capable de bon. Cette personne dit-il être jugée. Et il passe dans la cour, maintenant tu accuses qu'il t'écrase dans l'église d'un chrétien. Il t'écrase l'église chrétienne. Et maintenant, il trouve qu'il finit de faire, un cas de damage du property, puis d'un droit à écraser dans l'église. Mais seulement, au jour que tu passes à la cour, il finit d'un chrétien, Dieu finit tous sur l'équerre, il repentit, il demande Dieu, Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés, je connais mon écrase de l'église, mais je demande-toi, Seigneur, pardonne-moi. Sincèrement et fidèlement. Et tu arrives le jour que tu passes devant le magistrat. Le magistrat dit, moi oui, qui est là pour dire pour défense? Il dit, magistrat, même l'affaire. Vous connaissez votre honneur, mon vie, j'ai une affaire. Moi-même, oui, je suis d'accord, mon crâne, ça. Bâtiment, là. Mais maintenant, mon vie est un chrétien. Je ne pourrais pas faire ça encore. Je demande mon Dieu, pardon. Et je suis prêt pour restaurer tout le monde quelque chose qui m'a fait faire pour craser. Mais seulement, je demande qui, la cour, pardon, qui ne m'a pas pourrais faire ça encore. Oh, ça fait un miracle. Le jour qui, sincèrement, lui, il demande pardon. Le jour que l'infin et gagne le jugement, Mastra fin dit ok, l'infin donne le bénéfice du Dieu et fin dit ok, n'y pas de problème et qui nous capable faire te restaurer, mais seulement n'y pas fin être coupable. Je trouvais que Dieu capable restaurer, mais seulement ça n'y pas dépend de personne, mais il dépend de Dieu. Mais aujourd'hui, mon vie, j'ai une affaire. La conséquence du péché, c'est la mort. Et je veux comprendre qu'il y a une différence entre conséquence et quelque part, il y a une différence entre l'épreuve. Si vous venez, vous tapez un frère, un calotte dans l'église, il y a une conséquence. Parce que vous faites une conséquence, une mauvaise action. Bon, pas pour l'ongle là. Et je termine sur cela. Mais aussi, quelque part, la conséquence, si vous pouvez fumer, vous pouvez payer la conséquence de votre acte. Parce que pourquoi? Il n'est pas affecté au poumon. Si vous repentez ou arrêtez, Dieu est capable de restaurer. Mais ça dépend de où, comment on peut approcher. Est-ce qu'il est clair ce soir? Est-ce qu'il est capable de bouger? Mon film causait qu'il y a une différence en conséquence, il y a une différence entre les épreuves, les désaffaires différents, et les conséquences par rapport à nos désobéissances. Mais nos désobéissances nous demandent Dieu pardon, Dieu capable de restaurer, mais seulement c'est la sincérité de votre cœur qui est capable d'approche vers Dieu. Amen. Maintenant, nous rentrons dans le thème aujourd'hui. Mon bise explique ça, parce que beaucoup de fois, il y a un dimon, je ne sais pas qu'on fait la différence. Je veux dire, je coquin, hein, comment mon fils dit, un jéromon, après un dimon, il bat, je veux dire, oui, il y a une épreuve. C'est pas une épreuve, c'est la conséquence de nous mettre mauvaise acte. Maintenant, nous finissons créer une ligne. Mon bise met une ligne. Maintenant, nous pourrons le guetter.
Qu'est-ce sont des épreuves? Nous n'en connaissons une épreuve, c'est quoi? C'est passeport de feu. Maintenant, nous pourrons guetter maintenant les types de man épreuves qu'il y a un chrétien capable de gagner. Amen. Si vous tenez un papier, vous mettez un petit lanin au milieu, vous êtes capable de gagner deux colonnes, mettre deux colonnes. Dans la colonne côté droite, je te mets que premier type d'épreuve, moi, j'appelle ça the corporate trial. OK? Corporate. C-O-O-R-P-E-R-A-T-E. Corporate trial. Qui ça veut dire? Un épreuve en groupe. Connecté. Bon, vous venez là, vous pouvez expliquer maintenant bien bout en bout pour nous cavaler. Dans l'autre côté de colonne, je te mets les individual trial. Une épreuve individuelle. Pour moi. Moi, tu sais. Amen. Maintenant, des épreuves qui existaient dans la terre. Maintenant, premier, the corporate trial. Une épreuve collective, qui vous caractérise, il y a un mot français plus facile. Et deuxième épreuve, c'est l'épreuve individuelle. Amen. Maintenant, le livre de Jean 16, verset 33. Le livre de Jean 16, verset 33. Jésus-Christ dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage quand j'ai vaincu le monde. Point en tribulation, point en circonstances difficiles. Mais aujourd'hui, nous pourrons guetter maintenant quels sont les épreuves collectives qui existaient. Amen. Le livre de Matthieu, chapitre 24, le verset 8. Amen. Bear with me. Reste avec moi à la fin du point de bénédiction et me prier. C'est pas moi, mais me prier que là, quand je comprends l'épreuve, du point de grand bénédiction. Et pour moi, quand vous pouvez prier, mon demande, Seigneur, que le peuple, vous êtes capable d'avoir une réponse à la prière, réponse à cette manière circonstance, qui ça peut être beaucoup. Amen. Le livre de Matthieu 24, de verset 8, il dit à nous une petite chose. Donne-moi bien. Voici, ce sera le commencement de la douleur. Amen. Dans la version anglaise, il dit birth pains. Maintenant, je bien comprends que dans ce dernier temps, nous pouvons passer devant l'épreuve. Une épreuve collective. Une épreuve qui pour frappe le monde en entier. OK? Quelques exemples de l'épreuve collective, c'est la persécution. Qui fait collectif? Bon, prendre l'exemple, fait comment dire dans l'Inde. L'Inde, qu'est-ce qui se passe? Dans l'Inde, dans la Chine, dans mon pays arabe, qu'est-ce qui se passe? Il y a une épreuve collective pour mon chrétien. J'ai besoin de l'équerre ensemble pour prier parce qu'il y a une persécution, puis crase l'église, puis tue, puis bat, puis brûle. Ce sont des épreuves collectives. Pourquoi? Parce que tout chrétien, dans sa endroit spécifique, soit dans un pays spécifique, n'y passe là-dedans. Amen. Ce sont, on appelle ça, les épreuves collectives. Quelques exemples de mon épreuve collective, c'est la persécution, la famine, et l'économie qui peut couler. Pour prendre un exemple, un pays que la pauvreté peut couler, peut dominer, chrétien et non chrétien, tout peut passer là-dedans. OK? Le pour prendre l'exemple, un épreuve collective, une épreuve et corporate trial. Bon, prendre l'exemple, pareil que nous étions, le coronavirus. Quand il y a même un kikène dans les autres pays, peut pas se parer, ne peut pas se parer. Nous, chrétiens et pas chrétiens, tout peut pas se parer. C'est une épreuve, et collectif. Les guerres, les cris de guerre, les guerres, la guerre, pour prendre l'exemple, c'est la guerre déclenchée dans un pays, chrétien, pas chrétien, et dans des fois passe là-dedans. Ce sont des épreuves qui passaient. Amen. Et aujourd'hui, on appelle ça man l'épreuve collective. OK? Maintenant, nous devons comprendre, mettre une base. Pardonne-moi, le Saint-Esprit me pose ça dans mon équerre pour expliquer ça à tout le monde. Nous devons mettre une base d'eau là, les épreuves collectives. Parce que nous avons l'opinion qui est dans des fois, les diverge. OK? Et calmement, je explique ça. Vous êtes d'accord avec moi? Un cyclone passé. Quand un cyclone passait, il crase la case du monde. Amen. Quand il crase la case du monde, regarde-moi, nous l'opinion personnelle. Quand il crase la case du monde, quand nous trouve, il crase la case devant non-chrétien, nous disons comme ça, c'est un jugement de Dieu. Quand nous trouve, il crase la case d'un chrétien, nous disons ça, c'est une épreuve qui chrétien a pu passer. Ça veut dire qu'il quelque part, nous amène nos regards pour comprendre comme ça. Ça veut dire que l'opinion ne faisait pas déterminer ce qu'ils vont dire dans tout faire. Vous avez compris moi? Que mon père aller ce soir, ok? Et ce qui mon père explique aujourd'hui, que jamais, qui nous chrétiens, tenez-moi bien, me tire une sonnette d'alarme, me tire un petit pavillon rouge, pour tout mon chrétien qui pétonne nous aujourd'hui, ok? Et me base moi l'eau un épisode pour être capable de comprendre. Jamais je juge, soit je tape la main le malheur d'un démon. Jamais je fais ça. Jamais, ok? Le livre de Proverbes, chapitre 24, verset 17. Le livre de Proverbes 24, verset 17. Lidia-toi comme cela. Ne réjouis pas quand l'ennemi tombe. Pas réjouis-toi quand l'ennemi tombe. C'est la parole de Dieu.
Et aujourd'hui, qui nous capable, aujourd'hui, moi, même ça dans un contexte plus direct, pour être capable de comprendre, faire beaucoup attention, dis-moi qui peut te faire juger ou te faire taper la main, ou quelque part, c'est l'épisode de Job. À la fin, Job lui-même lui faisait prier pour Mandimoun. S'il n'est pas prié, ça Mandimoun là quelque part tu es dans le jugement de Dieu. Attention pour toi aujourd'hui qui te fait juger Mandimoun, qui demain ça même Dimoun bizarre prier pour toi te sortir de cette circonstance. C'est dangereux de le faire comme l'épisode de Job. Ce trois camarades, c'est Eliphaz, Bildad et Tsophar. Amen. C'était les trois amis de Job que Manafin accuse à la fin de toute l'histoire. Dieu dit à Eliphaz, allez maintenant, ce qui te fait te mal faire. D'ailleurs, Dieu dit à Job, priez pour maintenant, tu n'as pas sacrifice, le versement des sangs qui t'a fait pour laver de votre péché. Si Job pas t'y faire ça, tu peux avoir une catastrophe dans votre vie. Et aujourd'hui, on ne juge pas les autres. Qui que ce soit qui peut arriver d'un pays, d'un navire, qui peut nous faire passer, pardonne-moi, ou trouve un chrétien, un sur la case écrasée, pas juge-lui. Mais simplement, regarde qui la Bible dit, soyez miséricordieux, comme moi, Dieu, je suis miséricordieux. Qui ne peut pas faire pas juger. Si tu trouves un chrétien tombé, s'il vous plaît, me passe un message aujourd'hui. Beaucoup de monde chrétien parlent de l'église, c'est just downloaded from heaven. Beaucoup de chrétiens parlent de l'église parce que c'est nos jugements. Et beaucoup de fois, même à la maison, quand moi, aller me tout en dire, nous pas vante nous de demain parce qu'il ne pas connaît qui demain est capable d'amener. Mais aujourd'hui, qui nous pas juge, mais qui nous capable de donner la main à un frère, un sœur qui est tombé. Aujourd'hui, je te connais, quand moi, tu es jeune, moi, tu passes dans un moment que beaucoup tu as envie à l'église. Parce que dis-moi, tu fais jugement. Mais maintenant, aujourd'hui, moi, paye 10 bouts là, moi, puis enseigne au peuple. Aujourd'hui, ça m'a dit, moi, aujourd'hui, quand je t'étais, je qui tu fais pointe moi les doigts. On ne sait pas demain, comment quelque chose capable de changer. Mais aujourd'hui, on ne juge pas. Tu as trouvé un jeune, pardonne-moi pour le mot, just downloaded from heaven. Tu as trouvé un dernier sous l'ordre dans quoi s'y te pésise lui. Demain, on ne sait pas qui est capable de faire ça. Dimona est capable de tirer de tes problèmes. On ne sait pas comment les choses passent. Amen. Et aujourd'hui, faire beaucoup attention. On ne juge pas personne. Et aujourd'hui, at the end, à la fin, attention, qui ça Dimona qui te crase. Et là, c'est lui qui vient prier pour toi. Ou te sortir de tes circonstances. Amen. C'est une leçon à prendre de Job. Amen. Et ce trois camarades, Eliphaz, Bilhad et Tsophar. Amen. Maintenant, mon film explique. Maintenant, mon film explique. Et les épreuves corporées, les épreuves ensemble. Maintenant, nous pourrons expliquer les épreuves personnelles. Amen. Vous êtes là même ce soir. Nous allons expliquer les épreuves personnelles. Le livre de Jacques, chapitre 4, verset 14. Je vais faire la lecture. Le livre de Jacques, chapitre 4, verset 14. Amen. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, quand qu'est-ce qu'est votre vie? Vous êtes une vapeur qui disparaît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Amen. Et qui ensuite disparaît. Maintenant, l'eau, la terre, je bien comprends que Dieu, moi, arrête là pour expliquer une petite chose. Je nous ai posé la question, pourquoi Dieu impose nous l'eau, la terre? La terre, c'est une place qui m'appelle le livre de Pierre, dit ça, au temps de notre pèlerinage. Nous vous faire l'époque de la terre et puis nous pourrons aller. Tout mon chrétien, je connais que c'est Dieu qui donne la vie. Nous vivons la terre pour un certain moment, le temps manqué, dans mon chrétien, pour vivre 80, 100, 120 ans. Tout dépend de combien nous vivons la vie droite avec Dieu, qui Dieu donne nous en bonne santé. Mais pas oublier qu'il donne la vie éternelle. Mais qui fait à Dieu pour qu'il permette de nous rendre la vie éternelle directement? Et aujourd'hui, c'est ça qui nous vient comprendre. Nous période de la terre, c'est une période qui nous pour Dieu pour déterminer qui nous pour venir et qui nous était. Nous période de la terre, qui m'appelle ça en anglais, it's heaven womb. Pareil comme nous reste 9 mois dans le ventre de nos mamans, lui prépare nous ces 9 mois là pour nous vivre la vie de la terre. La vie du ciel, l'eau la terre, c'est quelque part, lui paraît comme on dit, nous dans ventre nos mamans, et ces 9 mois là nous reste dans ventre nos mamans. Et puis, quelque part, quand nous vous sortis, nous pourrons aller. C'est exactement ça, comment nous vivons l'eau, la terre. La terre, elle détermine nous l'existence après. Mais maintenant, je veux comprendre que Dieu qui crée la terre, pour faire nous vivre l'eau, la terre, pour donne-moi bien ce qui peut tendre, faire nous vivre l'eau, la terre, pour travailler nous, donne-moi bien, faire nous aussi passe devant l'épreuve, pour nous vivre man qui t'aime, comme un ligne en vie qui nous était. La terre, c'est une place que nous passons dans différents.
Amen. C'est le même camarade à côté de toi. Délit la terre, c'est une place que nous passons dans 10 faits. Amen. Et maintenant, aujourd'hui, c'est le parcours. Et quand nous passons sur la terre, c'est le parcours, le purpose, qui Dieu déterminé. Maintenant, quand nous passons sur la terre, nous arrivons à comprendre qu'il y a mal l'épreuve qui passait. Et c'est ça, aujourd'hui, mais qui fait nous passe dans sa main de l'épreuve, là? Et la réponse est comme suit. Amen. Premièrement, le livre de Proverbes 3, verset 12. Et le livre d'Hébreux 12, verset 6. Moi, dis-le encore. Le livre de Proverbes 3, verset 12. Le livre d'Hébreux 12, verset 6. Il dit, Dieu châtie celui qu'il aime. Amen. Dieu châtie celui qu'il aime. Vous prenez l'exemple pour vous comprendre. Moi, un papa, moi, un homme à nos enfants. Vous pas qu'à laisser nos enfants vivre comme ça. Qui me fait me mettre mon règlement. Et aussi, me pas autre dans mon épreuve pour déterminer dans autres l'équerre qui est non. À la fin du compte, qui fait mon passeur devant l'épreuve pour je vivre mon kiken, donne-moi bien pour vivre mon kiken comme ma papa là envie de vivre. Ok? Et nous finissons faire ça quelque part, je peux comprendre, dans l'armée. Qui fait mon kiken, mon armée, je passe, je fais mon training pour être capable de vivre un soldat. Et ce soldat là, je passe dans sa training là pour former ce caractère pour je vivre mon kiken qui est capable de faire la guerre. C'est exactement ça. Sa training là, c'est exactement le parcours de la terre. Est-ce qu'il se fait capable de catch up avec ce qui m'a fait dire ce soir? Amen. Ça pour ouvrir votre pensée et à la fin, vous vraiment, vous pray avec une sincérité de mon équerre. Qui ça pour ouvrir votre pensée en par rapport à cette l'épreuve qui se fait passer actuellement dans votre la vie. Le livre d'un Corinthiens, chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui était inhumaine. Amen. Aucune tentation pas une bini qui est capable de dire quelque part incapable, impossible de le faire. Amen. Je veux comprendre une différence entre conséquence et l'épreuve. M'aurait dire si un démon peut commettre l'adultère, c'est pas l'épreuve, c'est la conséquence. Te pour bien payer la conséquence. Rien sortir de là, te pour te foyer cassé, te trouver en circonstance, un problème finance, tout cela, à cause de cela que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Comment t'amènes le péché de la vie? Boum! Tu éclates de la vie, et à cause de cela que Dieu dit à nous, soyez saints, pareil comme lui-même dit saint. Amen. Le livre de Romains, chapitre 9, le verset 20. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Amen. Maintenant, nous pouvons guetter les raisons maintenant de ma circonstance qui m'a fait passer. Amen. Nous finissons comprendre que Dieu, jusqu'à l'heure, nous finissons comprendre la différence entre conséquence et l'épreuve. Maintenant, nous pouvons comprendre maintenant dans l'épreuve et dans l'épreuve collective qui nous appelle the corporate trial. Et nous, dans l'autre côté, l'épreuve personnelle, nous finissons comprendre que dans le dernier temps, prenant the birth pains. It just downloaded from heaven. Mon vie porte à ça avec eux. Birth pains. Quand une madame prête pour gagner un enfant, je peux trouver qu'il se le temps, après ça, à cause ça qu'il a mis le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 8, il y a comme cela, le temps des douleurs, en anglais, m'appelle the birth pains, retourne à l'arrière parce que le Saint-Esprit qui a envie qu'il me parle ça un petit peu avec eux. Je me disais comprendre qui est arrivé dans le dernier temps, plus mon pouvine, plus près, donne-moi bien, à cause ça qu'il m'appelle les birth pains, ok, et les douleurs de l'accouchement. Plus mauvais, plus près que l'accouchement, plus la douleur de la femme, l'igali, plus tellement bien, plus répétitif et plus fort. Amen. C'est cela qui peut arriver dans le dernier temps. Nous vous trouvez que pour avoir plus de calamités. Regarde, fait que la pluie fait tomber, et à Maurice, en mec, la pluie est tombée, tremblement de terre. Longtemps, c'est un tremblement de terre, ça 4 ans. Maintenant, tous les 6 mois, c'est un tremblement de terre. Maintenant, vous venez plus près, tous les jours, c'est un tremblement de terre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il pouvait plus fort et il pouvait plus rapproché. C'est ce qu'il a mis par lui of birth pains. Quand il pouvait plus près au terme que l'enfant pour sortir, qui m'appelle au terme de l'enlèvement, pour en plus encore de calamité, pour en plus encore ce densité, c'est-à-dire ce quantité, jusqu'à longtemps, il est capable d'être un tremblement de terre 6.5 à 7 sur l'échelle de Richter. Maintenant, le cas trouve vers 8, 9, et on ne sait pas, nous avons un film qui nous a sorti 10.3. On ne sait pas comment ça, mais c'est moi qui pourrais arriver, mais plus encore, et il n'y a pas pour un grand l'écart. C'est-à-dire qu'il pourrait en beaucoup plus. C'est-à-dire comme la femme, il est prêt pour enfanter, il pourrait en se douler pour plus augmenter,
et cette douleur pour venir plus rapprocher jusqu'à l'enfant béni. C'est exactement ça qui peut arriver dans le dernier temps. Ok? Je t'excuse-moi, je rentre dans un, moi, c'est un rabbit trail, je rentre dans l'autre chemin, mais je retourne maintenant sur ce qui m'est nant pour partager. Amen. La raison pour Elisabeth le sang est la base de notre message aujourd'hui. La raison de nos mal épreuves personnelles. Tous toi à la maison, dis aujourd'hui, moi, pour comprendre la raison pour mon épreuve personnelle. Amen. Et nous pouvons entrer là, bien profond, pour nous capables d'expliquer. Maintenant, beaucoup de fois, nous approchons nos mal épreuves dans une mauvaise façon. Amen. Et aujourd'hui, il est bon qu'ils soient capables de comprendre. Et aujourd'hui, en tant que nous chrétiens, il est bon qu'ils nous comprennent qu'il jamais faut des pages négatives. Comme Job. Bon, prendre l'exemple, nous commençons nos lectures de la parole de Dieu, le livre de Jacques, chapitre 5, le verset 11, il dit comme cela. Comme Job fit persévérer, il subir les épreuves, il fit être récompensé à la fin. Aujourd'hui, nous parlons, comprendre aujourd'hui, qui Job jamais fit une approche de cette épreuve avec négativité. Amen. En tant que nous enfants bon Dieu, il ne faut pas nous prendre ça à l'ampleur. Et tout le temps, moi-même, jamais moi vous comprends. Parce que quand tu amènes une pensée qui est négative, jamais Dieu pour capable de servir toi. Et moi, pour être franc, je demande l'équipe technique, vous êtes capable d'écrire ça après le message. Dieu jamais pour écouter la prière d'un démon qui est négatif. Amen. Regarde Ézéchiel, regarde Daniel, regarde tout. Quand je t'y même Jean dans le livre d'Apocalypse, quand Dieu n'a pas cause avec lui, jamais je t'y tombé face à terre. Regarde même le livre d'Ézéchiel, il dit un esprit finement en moi, fin mets-moi debout le mot les pieds. Dieu jamais pour adresse un quelqu'un qui se sent découragé, down ou négatif. Dieu jamais pour, c'est pas le principe de Dieu. Dieu c'est qui Dieu pour faire tout le temps pour adresser quelqu'un qui est positif. Amen. Regarde David. David il arrive à un certain moment que il fin down parce qu'il est le fils d'Absalom et son fils Absalom fin zetli, mais il fin reprend courage. Là Dieu dit à lui, ok, mon béni, donne-toi la victoire. C'est cela que Dieu appelle nous pour nous faire. Jamais te décourage-toi. Et Dieu, pardonne-moi, jamais Dieu pour écouter une prière d'un négatif. Et jamais Dieu pour causer qu'un du monde qui est négatif. À cause de ça, qui te pourrait se critiquer, pardonne-moi. Bon, ben, riez parce que just downloaded from heaven. Ça, même te trouve qui, man du monde qui est négatif ou critique, mon homme de Dieu, jamais je ne peux arriver dans cette vie. Parce que Dieu, jamais pour qu'à communiquer avec Dieu. Si tu es tout le temps critiqué parce qu'il est là, pas bon, l'autre pas bon, enfin, just downloaded from heaven, dis pas l'écrire de vos papiers, tant que je vais penser, mon pays, c'est ça pour exprimer. Non. Parce que tout man du monde qui est tout le temps négatif, cause man qui ken, cause jamais Dieu pour servir les autres, et jamais Dieu pour cause avec les autres. Si d'un jour, tu entends un du monde qui est négatif, vine en vêtant, dire Dieu ne révèle-toi, bouge tes oreilles, parce qu'il salit par mine de Dieu. Parce que Dieu jamais poussait bien du mot qui critiquait ou négatif. Just downloaded from heaven. Si un quelqu'un y a habité critiquer ou cause négative, c'est le temps de changer. Dieu pardonne-toi, sens de la vie, sens de façon de voir. Parce que quand tu vous amènes vers la positivité, Dieu pour choisir et Dieu pour choisir toi. Amen. On appelle ça, dans le livre de Timothée, un vase d'honneur. Sois un vase d'honneur pour Dieu servir toi. Amen. Me shifter, me bouger. Maintenant, nous bien approche maintenant tout nos mêmes circonstances d'une façon positive. Parce que pourquoi? Quand on approche une petite chose d'une façon négative, n'en est pas bien bon. Amen. Parce que pourquoi? Parce que on approche d'une façon négative. Qui fait frère? Est-ce qu'il y a un verset de la Bible par rapport à ça? Bien sûr. Tout ce qui nous cause par rapport à la parole de Dieu. Le livre de Romains, chapitre 8, verset 28. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ce dessein. Aujourd'hui, nous devons comprendre tout ce qui te passe. Jusqu'à aujourd'hui, ce qui te fait faire. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que toutes choses, si tu es vraiment sincère, fidèle avec Dieu, toutes choses pour tourner dans ton avantage. Même te man défaite, te man failure. Amen. Je vais prendre un exemple aujourd'hui. Et un exemple en dehors, ok? Et tu as un kiken qui s'appelle Smith Wigglesworth. C'est dans ce l'âge de 70 ans que Dieu commence à servir. Amen. Parce que tu as un kiken qui est capable de faire manière, mais Dieu finit par donner, il est orienté vers Dieu, il fait impacter le monde avec le don, le talent que Dieu finit donner. Même en ressuscitant un kiken, plusieurs personnes finissent ressusciter parmi mon mot. Mais aujourd'hui, mon envie de dire toi une petite chose. Sois positif par rapport à ton épreuve. Et ce qui poursuit dans ma minute à venir, bon, prendre pause, nous respirer un petit peu. Amen. Tu sens quelqu'un à côté de toi.
Et dis à lui maintenant, il arrive là pour nous concentrer. Amen. Évite toute manne distraction parce que ce qui vous venir, il vous venir beaucoup important. Amen. Maintenant, nous parlons comprendre les raisons de nous manquer l'épreuve. Et nous devons approcher que toute chose tourne dans nous l'avantage. Amen. Maintenant, je besoin comprendre. Bon, pour lire plusieurs chapitres, maintenant, vous êtes capable de comprendre. Nous pour lire le livre d'Amos. Amen. Le livre d'Amos, le prophète Amos, le chapitre 3, le verset 3. Maintenant, écoute, nous finirons maintenant pour comprendre profondément qui fait mon gain en épreuve dans mon vie. Amen. Et ce qu'il nous faut faire aujourd'hui, écoute, mon arrivée, c'est comprendre mes épreuves et la raison à l'arrière de mon moment d'épreuve. Comprendre les épreuves et la raison derrière mon moment d'épreuve. Le livre d'Amos, chapitre 3, le verset 3, mon lire dit, vous êtes capable de comprendre. Et aussi, nous pouvons lire le livre d'Amos, chapitre 4, le verset 6. Regarde-moi bien qu'il est dit. Il dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lion se pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il ait un piège? Le filet s'élève-t-il de la terre sans qu'il ait rien pris? Est-ce que la trompette sonne sans avoir de la guerre? Et aujourd'hui, donne-moi bien, qui m'opérote explique-je? Il y a pourtant, pas distrait sa boutonne. Il y a pourtant, vous êtes comprendre, qui tout quelque chose qui est arrivé dans la vie, et n'a une raison pour l'ayer. Tout quelque chose qui est arrivé, ou bizarre comme ça, aujourd'hui, c'est mettre ça en tête base dans votre vie. Tout quelque chose qui est arrivé dans la vie, et n'a une raison pour l'ayer. C'est ça que Dieu dit. Le livre d'Amos, chapitre 4, verset 6, on continue de lire. Amos, chapitre 4, verset 10, verset 6, Amos 4, 6, Dieu dit, « Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus avec moi, dit l'Éternel. » Je continue de lire, c'est plusieurs reproches qui Dieu dit, mon fait la pluie tomber dans un côté, l'autre côté pas me finir tomber. Qui fait Dieu finir faire ça? Dieu envie attire l'attention pour nous capables de révéler envers lui. Maintenant, je veux comprendre que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et aussi le livre d'Amos 3, 3 et Amos 4, je vais lire le livre complet d'Amos, le chapitre 3 et le chapitre 4 complet, t'as l'air quand la prédication finit. Je vais trouver que tout quitte chose est un but. Maintenant, les épreuves de la vie, Dieu n'a des fois permis de passer là pour tirer un petit sonnet d'alarme ou quelque part pour lever un pavillon pour faire nous comprendre quitte chose. Amen. Et aujourd'hui, tout quelque chose qui est arrivé est un but pour derrière. Et le but pour derrière, c'est que Dieu envie attire nous l'attention. Maintenant, nous parlerons de nos quatre points. Amen. Molé qui est à la maison, je t'écris à ces quatre points-là. Garde ces quatre points-là. Qu'il y a ces quatre points-là, il est important de le faire. Que ces quatre points-là, il vient un sujet de réflexion. Amen. Dire à la maison un sujet de réflexion. Amen. Prends ces quatre points-là, si je n'ai un papier, et à part, mettre tout ma note de côté, prendre le papier à part, et créer ça quatre points là. 1, 2, 3, 4, nous parlons de ça quatre points là. Et qui ça quatre points là, living un point d'ancrage. C'est-à-dire living un stepping stone. Qui living un marche pour te capable de rendre dans l'autre dimension. Et aujourd'hui, porte beaucoup attention par rapport aux épreuves. Et aujourd'hui, nous parlons de quatre petites choses qui pour ouvrir tes pensées, qui fait Dieu passe-toi dans l'épreuve. Amen. Nous le récit comprend la différence. Bon, je vais faire un recap pour vous, Vinskala. Nous le récit comprend et la différence en conséquence avec l'épreuve. Nous le récit comprend la différence entre les épreuves collectives et mon épreuve personnelle. Nous le récit comprend que les épreuves, faut dépendre de l'approche des épreuves négativement, mais l'approche positivement. Et nous le récit comprend que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Maintenant, nous pouvons jusqu'à maintenant. Maintenant, nous pouvons comprendre qui fait Dieu passe nous dans mon épreuve. Et nous finissons un petit peu plus avant que notre vie, l'on s'alater là, c'est un la vie, c'est un parcours qui Dieu fait nous passer. Donne-moi bien pour nous vivre plus meilleur. À la maison, Dieu faut. Dieu fait-moi passe le parcours de la terre pour vivre plus meilleur. Dieu finit donne-moi la vie. Passe-moi mon pèlerinage de la terre selon le livre de Pierre. Selon le livre de Jacques, nous m'a dit une vapeur. Pour qu'il m'a gagné les ciels. Mais ça parcours de la terre là. Dieu travaille-moi. Dieu travaille-moi. Amen.
Et quand Dieu travaille moi, Dieu a envie de faire moi une plus meilleure. C'est exactement comme on fait expliquer par des hier, on fait une récap. Pareil comme tu as envie d'être un soldat, tu as besoin de passer un training pour devenir un soldat. C'est exactement ça, ce qui nous parle pour l'eau la terre. Maintenant, les quatre choses qui pour contribuer, pour ouvrir tes pensées, pour te récit comprendre qui fait Dieu parce que tu as une épreuve. Je prends plusieurs exemples. Amen. Et il y a beaucoup de gens qui disent, frère, moi, je passe dans beaucoup de problèmes, frère, par rapport à mes finances. Frère, je passe dans problèmes, frère, par rapport à mon foyer. Frère, je passe dans problèmes par rapport à mes enfants. Frère, je passe dans problèmes, frère, par rapport à la santé. Frère, je passe dans problèmes par rapport à ça. Mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Et mon vie, Jésus, ça, important. Amen. Dieu permet un jour, nous vous partage un message sur les chants de Paul, qui ça veut dire dans la chair. Beaucoup de vous pensez quand Dieu fait cette passe devant l'épreuve que la maladie, Dieu envie tuer toi et te voir le rendre de ton tombeau avec la maladie. Non, loin de là. Dieu envie guérir toi. C'est la paix, c'est la parole suprême de Dieu de dire que par les meurtrissures de Jésus-Christ, tu finis guéri. L'épreuve, si tu ne fais pas dans la maladie, c'est qu'il ne peut pas périr. Si tu passes dans la maladie, c'est pour te gagner guérison, te vivre plus fort et qui te capable de vivre plus solide pour le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Maintenant, je fais hâte pour nous rentrer dans ces quatre points-là. Le premier point, c'est que tout le temps demander qui fait finarrive ça. Amen. Tout le temps demander qui fait finarrive ça. Jamais je quitter tant que je pas gagne cette réponse. Bon, prendre l'exemple, problème de finances, de mariage, de enfants. Parce que pas derrière, il y a une petite chose qui Dieu envie montrer toi. Amen. Premier petite chose, c'est jamais te pas arrêter de demander qui raison pas derrière de cette épreuve. Et parce que Dieu envie montrer toi une petite chose. Amen. Bon, prendre l'exemple pour être capable de comprendre. Amen. Si un parent peut dire, frère, moi, j'ai beaucoup de problèmes avec mes enfants. Arrête-toi. Mets-toi à genoux, demande Seigneur, il y a une raison pour tout quelque chose. Seigneur, me demande-toi, Seigneur, de révèle-moi qui fait à chaque fois qu'on a un problème avec ses enfants. Quand le Saint-Esprit vous révèle toi pour trouver qu'il est un parent qui ne te pas prend les responsabilités pour te laisser tes enfants rentrer à 10h, 11h à soir, te pas sérieux par rapport à ma petite chose dans la vie. Mais maintenant, c'est Dieu qui a envie, donne-moi bien, les épreuves, ce sont the fog light, ma gros fog. Qui Dieu tape le te la vie pour montrer toi les faiblesses qui tu es là. Les là, vous passe toi à travers le saman épreuve pour te venir un dimon plus meilleur. Amen. Dieu a envie qu'il te vienne plus meilleur. Les épreuves de la vie, les pour illumine te man faiblesse. Amen. Bon, prends l'exemple maintenant. Tout le temps, demande Dieu qui fait sa fin arrivée. Bon, prends l'exemple. Beaucoup de dimon demandent ma frère, bon, passe tout le temps devant un problème de finances. Possiblement, Dieu, il a envie de montrer toi comment pour save money. Et là, des fois, beaucoup de gens, par contre, à l'église, une des enseignants, ça, qu'il y a pourtant pour un kiken qui nous disait qu'on gère nos finances. Si moi, j'ai 5 sous, je ne pas dépenser 10 sous. Mais qui m'a capable de dépenser 3 sous, tout en temps, je 2 sous en réserve pour devant. Ce sont des choses que l'église, que nous fait enseigner. Et il y a pourtant, je suis capable de gagner mon enseignement là, je suis connecté avec nous pour nous capable de porter ça avec vous. L'église nous ouvre les pensées de Mandimoun, que ce soit. Tout le monde serviteur de Dieu de cette église nous ouvre les pensées, nous pas d'autres personnes captives et qui sont capables de connaître la vérité. Maintenant, la première chose, tout en demande Dieu. Le Saint-Esprit est fidèle. Le Saint-Esprit pour révéler toi. Mets tes genoux en bas, dis Seigneur, pourquoi mon père passe dans cette épreuve-là? Beaucoup de fois, dis frère, moi j'ai un problème avec mon biché. Mais demande Dieu, pourquoi mon père passe dans ce problème-là? Dieu pour illuminer ta faiblesse et sa faiblesse, ça, pardon. Le travail, là, parce qu'il le livre d'Amos, il dit à toi, et n'a une raison pour tout qui te sauve. Amen. Je te la même ce soir. Je te la même avec moi. Premier, tout le temps demande Dieu, qui fait à finir ça. Et moi, je garde un principe. Pour moi, personnellement, je porte à ça. Un secret, je porte à ça. Tant que je n'ai pas gagné ma réponse, je ne peux pas quitter les pieds, mon Dieu. Je continuellement chercher pour demander Dieu, qui fait à finir ça. Qui raison finir ça. Et Dieu, chaque fois, le Saint-Esprit révélé, montré. Et jour en jour, moi, prendre avec le Saint-Esprit. Jour en jour, apprendre avec le Saint-Esprit. Parce qu'il est le meilleur professeur qui en vit en saint. Vous êtes là même. Vous êtes là avec moi. Qui Dieu bénisse eux. Premier. Deuxième, trouve-lui pour moi dire une petite chose qui pour build me up. OK? Et qui, quelque part, ça qui te chose là, pour grandir moi. Quand tu peux get ça l'épreuve là, trouve l'épreuve là, qui, comment dire, pour grandir moi. Maintenant, comment l'épreuve pour venir de la vie, premièrement, te penser, qui fait à ça qui arrive, toi.
Deuxièmement, ça, t'as besoin de connaître qui vient de l'épreuve, qui vient de Dieu. Dieu aide-toi pour grandir-toi. T'as besoin de trouver-lui maintenant pour te décoller. Pas pour craser-toi, mais pour décoller. À cause ça qu'il dit la parole de Dieu, dit à nous comme cela. Ben, mes chers frères, trouvez-moi de l'épreuve qui se bénit comme un sujet de joie. Comme un sujet de joie. Amen. Et aujourd'hui, pas oublier que la parole de Dieu dit à nous comme cela, le livre de Pierre, dit à nous comme cela, pas oublier que, il y a plusieurs, nous m'en fait, on tient les mondes, et pas seulement de problème avec ma circonstance pareille. Amen. Premier, c'est tout le temps demander qui fait à fin d'arriver. Deuxième, trouve-lui pour bâtir toi. Prends le meilleur là-dedans. Jamais te trouve-lui, comme on dit quelque part, pour craser toi. Non, prends-lui pour bâtir. Troisième, si tu pas deal avec lui, c'est une de mes raisons qui fait pendant des années, te piocop et faire face avec même circonstances. Frère, mon foyer pas peut déclencher, mon finance pas peut déclencher, mes enfants pas peut changer. Parce que si t'as pas deal avec lui, il faut continuellement répéter. Amen. Et il y a une petite chose qui me content d'y aller en anglais. Me dit, if you run from it, it will catch you later on. Ok? Si t'as sauvé avec lui, il faut rejoindre toi après. Ça veut dire que quand tu peux faire face avec une circonstance, deal avec lui. Premier, demande Dieu, m'aurait dit, premier, demande Dieu, qui fait à ça qui arrive. Deuxième, lis pour grandir, toi, pas prendre négatif. Troisième, deal avec lui, parce qu'il pas quitte lui. S'il quitte toi, si tu quittes lui, pardon, lui pourrait catch toi après. Et il y a beaucoup qui disent, pardonne-moi, je vous prends l'exemple. Je n'ai pas de problème dans une famille ici, à l'île Maurice, ok? Problème parce que je ne pas que j'ai un problème. Je quitte le pays, je te sauver, j'étais au Canada. Je te pensais quand je vais au Canada, problème là pas pour suivre. Ce problème là pour suivre. Parce que le problème là c'est pas avec la famille. Le problème là c'est ta façon d'agir, façon de faire et façon de comprendre. Ce que Dieu envie, c'est te sens toi. Pas sens des autres. Dieu envie sens toi. C'est une de mes raisons pourquoi, pour répondre à la question au commencement, que chaque personne se l'épreuve n'est pas pareil. Dieu deal en moi, pas avec moi, Dieu deal en moi, dans vos faiblesses, Dieu deal avec moi. Dieu deal avec un dimon d'une autre manière, d'une autre façon. Il n'est pas pour pareil. Tout le temps, il n'est pas pour pareil. Ça qui gagne sur l'épreuve pense que c'est Dieu qui a envie de deal avec toi. Tu as un problème de jalousie? Ok. Dieu fait ta plus jaloux encore. Tant que tu n'as pas deal avec ça, Dieu pour continuellement mettre man qui tue dans ton chemin jusqu'à ça disparaître. Amen. Bon, prends un exemple. C'est un exemple, bon, prends-toi, bon, prends-lui, enfin, just download it from heaven. Je vois le comprendre qu'il boit ici, assez humblement, bon, dire que Dieu deal avec moi. Bon, tu as une petite négligence, et non, deux fois, et ça finit arrive moi, et bon, dire que franc, et mon tonne, la voix claire, diamant dans mes oreilles, ça joue là, et ça joue là, mon sensé complètement, par rapport à l'intégrité. Beaucoup de fois, moi, je prends le thé, mon gars, dit, bon, pas mettre un corps parking, bon, mon exil là, parce que, et non, deux fois, nous, vite, nous faire ma petite affaire. Dans un jour, mon désappé, dans l'espace de trois jours, mon désappé, quatre contraventions. Ok? Yes. Madame vini prendre mon parabrise, bon, madame témoin, prendre mon parabrise, mettre ma contravention. Là, quand mon fini paye sa contravention là, mon sorti pour payer contravention, mon tenez a fait faux dans vos oreilles. Les dièles, je connais ça pour faire autres gain pire. Ceux qui pétent moi, les pour faire autres gain pire. Et mon fini tenez ça clair. Et la voix dit à moi, I will hit you. Right where it belongs to be. Bon, pour tape-toi là, que vraiment, it hurts the most. Bon, pour tape-toi là, le sa boubou, que mon besoin sens toi là. Amen. C'est ça, Dieu, là, des fois, il dit là avec nous. Là, à partir de ce jour, mon arrêté ça. C'était assez longtemps. Mon arrêté, mon vin un peu, mon vin dans l'intégrité. Ok? Beaucoup de monde qui can me prendre l'exemple. Ça pour sauver toi. Ok, just download it from heaven. Comment qui can quand il a fait super marché? Il prend ce caddie, il quitte au milieu chemin, y'a dit. Ok. Very good. Si tu es un chrétien, c'est de bien sans sa manière, là. Amen. Parce que pourquoi? C'est pas l'intégrité. Quand tu prends ce caddie, quand tu prends lit, tu prends te parce qu'un enfant bon Dieu, bizarre faire comme ça. Amen. C'est dur d'entendre, oui. Mais comme ça, il y a beaucoup de bâtons pour amener moi ce cas-là, quand tu étais aujourd'hui. Et un de mes raisons, c'est que tu ça la voilà. I will hit you in the middle of it. Moi, pour tape-toi au milieu de là-dedans. Pour sens-toi, pour break you. Et Dieu, quand il tapait pour senser, il dit pour sens-toi. Amen. C'était un petit témoignage que moi aussi, Dieu, il n'a pas dit, deal avec moi vraiment sévèrement. Et ça pour aider nous, pour nous capables de l'amour. Amen. Maintenant, quatrième, je vais faire un recap. Maintenant, je vais retourner. Premier, c'est que tout le temps, nous demander pourquoi il arrive ça. Deuxième, trouve-lui, comment dire, pour bâtir toi.
Si tu n'as pas de deal avec lui, il est pour aller devant toi continuellement. C'est une des raisons qui te trouve un chrétien. Pendant plusieurs années, tu tourner, virer avec même circonstance parce qu'ils n'ont pas encore deal avec lui. Réfléchis, assise-toi. Si tu as envie de connaître tes problèmes de finances, assise-toi, dis-moi, mais qui fait? Je dépense trop beaucoup, je fais une exagération, ok? Et d'un kiken, pardonne-moi de le dire, il est capable de gagner la paye. Tu dis, mais c'est moi qui vous mettre mal à l'aise, qui sert, il n'est pas correct, vive de tes moyens, il est important de le faire. Quatrième, je bien comprends, qui pour être man, épreuve, c'est ça, man, petite chose, ça, man, épreuve, c'est te passe-toi dans 10 faits, pour te vivre plus meilleur. Amen. Et aujourd'hui, je élabore quelques points avant qu'il me termine. Amen. Pour me vivre plus meilleur, je me trouve un chrétien, 20 ans chrétien, l'hypan fin changé, il y a encore toujours pareil. Parce que l'épreuve, pas ne fait aucun effet, l'oli. Et aujourd'hui, c'est ce que Dieu dit, le livre d'Hébreux, il dit à nous comme cela, il paraît comme si un or, il a arrosé de, il finit être arrosé, et quand il a arrosé, il finit produire un bon fruit, il finit produire une herbe de ronces et d'épines, les ronces et épines finissent coupées, finissent jetées dans le feu. Aujourd'hui, c'est ça, aujourd'hui, qui est important de comprendre. Et je vais terminer dans 5 minutes. Et il est important de comprendre que les épreuves de notre vie, pour bien faire nous une plus meilleure. Parce que pourquoi il y a le ciel qui peut attendre nous? Ça, le ciel là, God is waiting. Dieu qui attend qui nous vit manquiquen, qui nous passe devant l'épreuve, comprend. Et qui nous capable de vivre manquiquen, qui solide. Amen. Le livre d'Apocalypse, dit nous comme cela. Le chapitre 2, le chapitre 3. Ceux qui pour vaincre, pour hériter. Cette fois, il dit ça. Ceux qui pour vaincre, ceux qui pour vaincre, ceux qui pour vaincre. Mais quand pour vaincre dans le ciel, non! Nous pouvons vaincre sur la terre, nous-mêmes l'épreuve qui nous passait. Et aujourd'hui, les épreuves sont pour nous raffiner et qui nous capables plus meilleurs. Amen. Bon, faire un récap, Lola, pour ceux qui parlent de catch-up. Premier, c'est tout le temps demander qui fait ça arriver. Et pas quitte les pieds de bon Dieu tant que tu ne pas connais qui fait ça arriver. Parce que Dieu a envie sûrement de montrer une petite chose. Premier. Deuxième, trouve-lui pour m'aider une petite chose pour bâtir toi. Travaille Lola nuit et jour. Plus vite que possible. Amen. Travaille-le, ça épreuve-là, nuit et jour, plus vite que possible. Troisième, si tu n'as pas deal avec ça, tu dis, je vais blier avec lui ou c'est quelque part et nous faire politique d'autruche, me mettre la tête dans le sable, pas trop dans rien. Te fuir, là, là, il pour catch, elle pour catch, il pour quelque part dans le futur, te pour rejoindre lui. Et c'est à cause de ça qu'il trouve plusieurs chrétiens avec des années, puis struggle avec mêmes affaires, parce qu'il pas encore deal. Et bon, prends l'exemple pour être capable de comprendre ça. Il paraît que moi, un jeu vidéo, un video game. Tant que je ne peux pas finir Stars 1, je ne peux pas finir de Stars 2. Tant que je ne peux pas finir Stars 2, moi, on dit pareil, notre vie est pareil d'aujourd'hui. Quatrième, les épreuves, ce sont man, quelque chose qui raffine nous pour nous vivre plus meilleurs. Amen. Maintenant, ouvrez la Bible, je vais terminer. Le livre de Romains, chapitre 3, verset. Romains, chapitre 5. Verset 3. Nous voulions lire ensemble avec moi. Voici vos pouvoirs, la Bible. Le livre de Romains, chapitre 5, le verset 3. Le livre d'Actes des Apôtres et puis Romains, le chapitre 5, le verset 3. Maintenant, par rapport à ce qui finit enseigné pendant sa minute qui me passait là, maintenant, nous pouvons lire ce verset là. Je pourrais trouver que ce verset là pouvait être réel pour nous la vie. Et maintenant, quand je peux lire ce verset là, je pourrais comprendre pourquoi nous sommes maintenant passés dans mon épreuve. Romains 5, le verset 3. M'offert la lecture. Amen. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire. Dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Oh, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, et par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Maintenant, regarde ce qu'il a mis dire. Bien plus que nous voulons, parce que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, amen, lui produit et la victoire. Et la victoire, lui donne nous l'espérance. Ça veut dire que Dieu envie travaille nous. Ça veut dire que nous épreuves de notre vie, Dieu envie qu'il nous capable travaille, passe là-dedans et qu'il nous capable plus solide aujourd'hui. Maintenant, mon vie aujourd'hui, m'en mettre la conclusion de ce qu'il nous finit dire, nous terminer. Amen. Maintenant, regarde la parole de Dieu, dit à nous comme cela. Mets la nourriture solide et pour ceux de l'île de Corinthiens. Mets la nourriture solide et pour ceux et pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Aujourd'hui,
côte tu étais. Je me pose une question et je termine sur cette question. Est-ce que aujourd'hui, tu es un chrétien qui te est dans la maturité? Je me pose la question, te réponds de tous les cas aujourd'hui. Chaque personne qui peut être nous aujourd'hui. Est-ce que aujourd'hui, tu as dit être un chrétien qui est dans la maturité? Ou tu es un chrétien qui te fait encore struggle avec même épreuve, l'année après l'année, l'année, sans qu'il te trouve aucune issue? Et aujourd'hui, Dieu envie qu'il te sorti dans sa épreuve là. Et comment? Prends ces quatre points là, aujourd'hui même. Commence à examiner. Demain, pendant la journée, trouve un étang. Ok? Passe-te la vie au pain fait, moi, on va peut-être dire. Passe-te la vie au crip. Get un coup, qui quitte chose te faire, te pas me faire. Get un petit coup de l'épreuve de la vie. Qui quitte chose, mais te continue tout en rond. Et aujourd'hui, trouve ce message comme un message de liberté aujourd'hui. Trouve un message, trouve ce message comme un message de joie. Et qui, quelque part, te pour capable, à partir d'aujourd'hui, déboute. Te pour capable, déboute et dire, ok. Les épreuves, ceux-là, trouve la source du problème, résout le problème, mon bien, plus meilleur du monde, boum, mon bouge dans notre dimension. Et c'est comme cela que Dieu, par même temps, de l'étape en étape, de gloire en gloire. Et la parole de Dieu dit nous comme cela, nous sommes plus que vainqueurs. We are more than conquerors. Nous pouvons gagner victoire, victoire, victoire. Un conquérant, il gagne un pays, il y a un autre pays, un point, il gagne la victoire. Et le livre de l'Apocalypse, il dit à toi comme cela, à celui qui pouvait être, vous donner la main cachée, un nouveau nom, une colonne dans le temps, vous donner l'autorité pour juger ma nation. Est-ce qu'il te vainque aujourd'hui? Et pour te vaincre, te l'épreuve. Et devine une meilleure personne. Voici, nous finis terminer aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu finis comprendre pourquoi les épreuves de ta vie. Et qui fait, tu finis gagner ma épreuve. Et comment tu passes à ma épreuve là? Pour ton bien. Car il est écrit, certes, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui Dieu bénisse ce soir, on va prier ensemble. Et vous pour prier aujourd'hui, nous, mes serviteurs de Dieu, nous vous prier pour tout le monde qui me passe devant l'épreuve, dans ma circonstance difficile. Et Dieu, aujourd'hui, les épreuves ont envie, Dieu a envie de faire ta vie plus solide, plus mature. Dieu a envie de faire ta retire de l'enfantillage. Dieu a envie de faire ta vie qui est fait pour lui. Quand tu peux dire, voici mon serviteur qui m'en fait passer lui. Et aujourd'hui, je te connais. Et il y a une petite chose qui appelle un graduation day pour un soldat. Dans ce jour qui nous appelle un passing out. Ok? Et passing, qu'est-ce qui se passe de ce jour de passing out? Tout soldat vini, je t'ai une fierté parce que ce jour-là, c'est le dernier jour de ce training. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vis pas ce training avec succès. Amen. Et quelque part, quand je ne fais pas ce training avec succès, il y a une petite chose qui est arrivée. C'est une fierté parce que tout maintenant pour appeler les autres pour graduer les autres pour donner des certificats et dire ouais tu le fais, t'es un soldat qui te peut apprendre physique, t'es un soldat qui te donne le contrôle de toi. Maintenant c'est le commencement de tous les commencements d'une longue carrière. C'est exactement ça qui peut arriver le jour que nous pourrons paraître devant le tribunal de Christ. Nous l'épreuve, nous pourrons être récompensés pour nous l'épreuve pour le plus grand carrière qui peut être énorme, c'est dans le ciel. Qui Dieu bénisse ceux qui pétonnent cette parole aujourd'hui. Amen. On va prier ensemble. Et vous dites, mon serviteur de Dieu, nous vous prier pour tout man dimoun ce soir qui peut passer devant l'épreuve, qui est malade, man kiken, qui peut vraiment passer devant une circonstance difficile, qui aujourd'hui parmi le négatif, mais trouve le positif et change de circonstance. On va prier. Saint kiken, tu peux passer devant une circonstance difficile, pose la main de tous les cœurs. Nous, mon serviteur de Dieu, on va prier pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Papa, me priez toi, Seigneur Dieu. Me priez toi pour chaque personne qui me passe devant l'épreuve, ma circonstance difficile. Père, me demande de la grâce dans ta vie. Conduis à eux, couvre à eux, papa, pour te disant. Seigneur, donne-eux la réponse à eux, la prière. Ça m'a l'épreuve là, aide-eux pour régler ça par le problème là. Pour venir être plus meilleur chrétien. Donne-eux la force, papa. Et me priez-toi pour me prier pour la prière de soutien, de soutenir eux, papa. Ceux qui malades, guéris-eux, qui cette épreuve de la maladie qui se passait est une guérison devenue plus solide encore, papa. La maladie, pas toi qui donnais, Seigneur Dieu. Mais toi, Seigneur Dieu, pour guéris-eux aujourd'hui. Père, me priez-toi pour mon chrétien plus meilleur, sans cette façon de penser, qui est la foi, la vie, cette pensée, bien même dans notre dimension spirituelle, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. God, I pray, pour mon petit Ken, Seigneur, à la maison, mon petit Ken qui, papa, me priez-toi, papa, pour plusieurs personnes qui pleuraient par rapport à votre foyer, Seigneur. Vous pouvez ressentir ça dans le monde spirituel. Papa, me priez-toi, réconforte-toi, redonne-toi, Seigneur, cette force pour vaincre. Et me priez-toi, Seigneur, de pousser ta de l'avant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, me dis-toi merci, Père.
Merci Jésus-Christ. Amen. Moi, j'ai ressenti qu'il y a plusieurs dans le foyer qui préparent dans une circonstance difficile. Ce message peut faire beaucoup du bien. Réponds-le, observez, connaissez la source du problème. Réglez-le et sois free today. Amen. Be free today. Et que Dieu est capable de bénir toi. Voilà, nous terminons. Que Dieu bénisse. Bon, faire les annonces. On se voit dimanche à 9h30. Dimanche 9h30 sur la page de Facebook de Bougain. Un mec nous peut faire le nécessaire pour nous capable de gagner en direct. Amen. Et qui soit capable aujourd'hui gagner ça, de guette le louange, l'adoration ensemble avec nous, louer, adorer le Seigneur en direct avec nous. Et puis, on se voit après vers 10h, 10h05 pour la prédication de la parole. Et puis, après la parole, nous pour prendre le saint repas du Seigneur, chacun d'entre nous à la case. Et qui Dieu bénisse eux. Et on se voit aussi mardi pour notre rayon de délivrance. Qui Dieu bénisse eux, la grâce mondiale accompagne eux. Soyez bénis ceux qui passent à table. Bon appétit. Dieu bénisse eux et qui la gloire de Dieu couvre la vie. Et le désir de notre cœur, c'est tout le temps prier pour eux. Pas oublier que le premier page, comment vous trouvez la page, un numéro de téléphone, ce cas connecté avec nous. Donne notre requête, nous avons une équipe de prière qui priait jour et nuit pour moi qui demande la prière. Soyez bénis ce soir dans le nom de Jésus-Christ. On se voit après. Dieu bénisse eux.